Alexandre de Beclerc, l'info service. Dans cette vidéo, on va voir et on va parler des sites et services Active Directory. On va s'imaginer un scénario dans lequel on a un contrôleur de domaine qui se trouverait à Nancy, par exemple, et on aurait un autre contrôleur de domaine qui se trouverait à Lyon. Et donc, on va utiliser les outils de sites et services Active Directory pour relier tout ça. Donc là, j'ai mon serveur, ici c'est le DC2, donc celui qui va être à Lyon, par exemple, et sur celui-ci, c'est le DC1, donc le DC1 qui sera à Nancy par exemple. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la console site et service Active Directory, ici. Et on va constater que par défaut, souvent, enfin souvent tout le temps, le premier site qui a été créé, c'est Default First Site Name. D'ailleurs, il est souvent recommandé de le renommer. Alors, je vais le renommer ici et je vais l'appeler Nancy. Voilà, on va estimer que Nancy, le DC1 se trouve à Nancy. Donc voilà, on a renommé ce contrôleur. Alors, je le fais sur un contrôleur, mais évidemment, on peut le faire sur l'autre. Il n'y a pas de problème. Alors, une chose aussi à savoir, c'est que j'ai mis ce... Hop. Alors, j'ai pas... Parce que sur VirtualBox, c'est un peu compliqué de créer des réseaux de WAN. Donc j'ai configuré mon serveur de telle sorte que le DC1 soit dans la classe 172.16.0.1 avec une passerelle. Donc évidemment, c'est un peu compliqué comme je le dis, de faire communiquer. Là, j'ai essayé de faire un LAN, un réseau de LAN, mais j'obtiens pas vraiment ce que je veux. Et sur le DC2, ici, hop, j'ai mis la classe en 192.168.0.101, voilà, avec la même passerelle. Comme je le dis, c'était histoire de faire communiquer, mais évidemment, ça ne peut pas communiquer. Donc on va quand même faire le TP, on verra bien. Je ne crois pas qu'on aura d'erreur, on peut le faire hors ligne. Voilà, donc là, on s'est contenté simplement de renommer le site par défaut. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer les sites. Donc c'est toujours dans la console site et service. Alors je reviens sur le DC1, ici. Alors, je vais faire un clic droit ici sur site et je vais faire nouveau site. Donc, cette console va me permettre de créer un nouvel objet site. Donc là, je vais l'appeler, ici par exemple, je vais l'appeler Lyon. Oui, j'avais dit Lyon. Voilà. Et je vais sélectionner ensuite le lien, l'objet lien de site. Donc là, il n'y en a qu'un, c'est Default IP Site Link. Et je vais valider par OK. Alors, on a un message, le site de Lyon a été créé. Pour déterminer la configuration, assurez-vous que Lyon est lié aux autres sites par des liens de sites appropriés. Ajoutez des sous-réseaux pour Lyon au conteneur de sous-réseaux, donc c'est ce qu'on va faire. Et installez un ou plusieurs contrôleurs de domaine dans Lyon, déplacez les contrôleurs existants vers le site. Pas de problème. Donc ce qu'on vient de voir là, ce sont les bonnes pratiques hein, de Microsoft. Donc maintenant, on constate que là, on a deux sites. On a le site de Nancy et le site de Lyon. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va affecter des serveurs à un site. Donc je vais aller sur Nancy. C'était le premier contrôleur de domaine. Alors pour l'instant, j'en vois qu'un. Je sais pourquoi. Tout simplement parce que mon autre serveur n'est pas contrôleur de domaine. On va corriger ça tout de suite. Voilà, donc désolé. Donc j'ai simplement mis ce contrôleur de domaine, le DC2. En tant que contrôleur de domaine. Il avait juste le nom, il n'était pas encore contrôleur. Alors on va le voir ici en fait, hein, voilà, j'ai réactualisé et on voit ici maintenant apparaître le DC2 donc dans le site de Nancy. Alors donc on voit ici apparaître le DC2. Alors juste pour la petite histoire, hein, le simple fait d'avoir créé des différents sites, au moment où j'ai fait l'intégration dans le domaine, enfin où j'ai transformé, j'ai promu le DC2 en tant que contrôleur de domaine, il m'a proposé dans quel site je voulais le mettre. Donc là moi je l'ai laissé sur Nancy pour faire comme si par défaut c'était comme ça, mais j'aurais pu directement le mettre dans Lyon. C'est une petite parenthèse. Donc on va déplacer DC2. Je vais faire un clic droit ici, je vais faire déplacer et je vais le sélectionner donc dans Lyon. Voilà. Et on le voit apparaître maintenant ici. Donc dorénavant, les utilisateurs qui seront sur le site de Lyon, alors comment est-ce qu'on détermine si un utilisateur se trouve sur un site ou sur un autre? C'est tout simplement sur la classe IP, le sous-réseau qui est utilisé. Comme tout à l'heure, au début de la vidéo, je vous ai montré que sur le DC1, on était en 172.16
172.16.xx. Là, on va être en, sur Lyon, on va être en 192, 168, 0, je crois, si ma mémoire est bonne, quelque chose. Donc c'est ça qui va déterminer en fait la, le sous-réseau utilisé par les utilisateurs qui va déterminer où ils se trouvent, dans quel site ils se trouvent. Alors justement, c'est notre étape suivante, c'est de créer des sous-réseaux pour pouvoir justement déterminer où se trouvent les utilisateurs. Donc il faut créer pour ça des sous-réseaux. Donc je vais faire un clic droit sur Subnet, nouveau sous-réseau. Et là donc dans préfixe, on me demande donc de renseigner le préfixe du réseau. Donc là ça va être 172.16.0.0/16. Voilà, et je vais déterminer ensuite que ça c'est pour Nancy. Et je valide par OK. Donc là, on a notre premier sous-réseau. Donc le sous-réseau 172.16.0.0.16 a été attribué à Nancy. Donc on voit bien apparaître ici. On va créer notre autre sous-réseau. Là, je vais renseigner cette fois 192.168.0.0/24. Et je vais dire que ça, c'est pour le site de Lyon. Et je valide. Et voilà notre sous-réseau qui apparaît également, qui a été lui affecté au site de Lyon. Voilà, donc là on a fait l'essentiel en fait dans la création des sites Active Directory. Alors c'est pas tout à fait fini, maintenant ce qu'on va faire, on va configurer le catalogue global. En réalité on n'a rien à faire parce que si on développe le DC2, alors le catalogue global, vous savez que c'est le catalogue global qui détient les objets des autres domaines et des autres forêts et qui facilite l'ouverture de session. S'il n'y a pas de catalogue global dans un domaine, il n'y a pas d'ouverture de session possible. Donc là, on va s'assurer que sur Lyon, il y a bien un catalogue global. Alors, je vous le dis, normalement, on n'a rien à faire. Je vais faire un clic droit sur NTDS, propriété, et ici, on a la case à cocher, catalogue global. Donc c'est bien le cas, on n'a rien à faire en fait. Voilà. Ce qu'on peut faire par contre, c'est activer la mise en cache, des objets. Alors ça, ça peut être utile. Ça peut être utile dans certains cas. Comme je le dis, le catalogue global est utile pour l'ouverture de session. Si jamais sur un site distant, par exemple le site de Lyon, le contrôleur, on peut imaginer qu'il y a plusieurs contrôleurs de domaine et il n'y a aucun contrôleur de domaine, enfin aucun catalogue global qui est accessible. À ce moment, donc vous allez pouvoir activer l'UGMC, c'est l'Universal Group Member Caching, je crois, qui va vous permettre en fait de stocker dans un cache sur l'ensemble des contrôleurs de domaine tout ce qui est appartenance au groupe universel. Et ainsi, les utilisateurs vont pouvoir continuer de se loguer et ouvrir une session sur les serveurs, dans les sites sur lesquels il n'y a plus de catalogue global. Alors, ça s'active, c'est pas grand chose à faire, c'est très rapide. En fait, si on veut activer ça sur le site par exemple de Lyon, par exemple, donc là on retourne ici dans les propriétés. Non, pardon, c'est pas ici. C'est en allant. Voilà, c'est ici. On ne voit pas apparaître en fait. Voilà. Ici, on a activé la mise en cache de l'appartenance au groupe universel. Voilà, il suffit simplement de cocher ça. Et on valide, appliquer et OK. Et voilà. Alors si, par contre, on aurait pu dire quand même une chose. On peut dire qu'on l'actualise à partir de Nancy. Comme ça, on force le lien. Voilà. Donc voilà. Donc l'appartenance au groupe universel, maintenant qu'il est activé sur les contrôleurs de domaine qui hébergent le catalogue global de Lyon, si un jour le catalogue global venait à flancher, on a toujours cette mise en cache et qui sera répliquée donc à partir du serveur de catalogue global de Nancy. Donc ici ce qu'on a fait sur l'ensemble de ce TP, on a utilisé les sites Active Directory comme des objets de l'AD qui vont nous permettre, alors qui sont stockés dans la partition configuration de l'AD, et qui vont donc permettre de définir des sites, qui vont permettre de définir et de gérer du trafic de réplication, faire de la localisation de services. Voilà, donc on a réussi à faire ça. C'est, vous voyez, c'est très rapide, il n'y a pas de y a pas vraiment de difficulté là-dedans. Alors évidemment on aurait pu complexifier un peu la topologie, mais on est resté sur quelque chose d'assez convenable et correct. Voilà. Voilà pour cette vidéo.
sur les sites et services Active Directory.